mon. Ah! Là, ça fait. Ok, j'allais bouger ma chaise, j'ai pas content. Non? Max, ça se fait. Ouais, c'est cool, ça. Il y a d'abord. Mon oncle, Roger, a dit qu'il avait un nom quelconque. Un autre prince. Ok, Max, alors bonjour, hein, après ce bout de film que vous n'avez pas vu d'à peu près 3 minutes, bienvenue à ce qu'on pourrait appeler, connaissez-vous bien Maxime? Ce soir on le fait avec 3 personnes, on innove, dans la fin on était 2, maintenant on est 3, donc c'est mon intro, elle me dit de faire l'intro, elle me laisse faire l'intro. Je présente mon frère, Alexandre, CC2235, Demus, ma femme Vicky. Faire ambassadrice aussi de Beauf & Beauf, ouais, on a les mêmes casquettes. Et le Beauf, Beauf de luxe, Beauf en or, Beauf de course. En bon français, vous nous avez demandé de faire une vidéo version Max, parce qu'on l'a fait avec moi, ma soeur qui est l'autre côté de la caméra, puis Max, vous avez bien aimé ça. La compagnie Beauf & Beauf, c'est la compagnie de eux, fait que j'ai pas été payée une scène. C'est commandité gratuitement. Lui à ma gauche, c'est le chum à ma soeur que vous voyez toujours, que vous trouvez qu'elle me ressemble. Lui à ma droite, c'est celui que vous tripez tout dessus. Maintenant, c'est clair. Donc, on part! Ouais, les filles, ça, ils vont comprendre notre présentation. Donc, première question, est-ce que vous êtes prêts? Yes! Ouais! Une question facile, ok? On commence facile. La date de fête à Maxime. Attends, là, c'est juste la journée ou c'est tout? Tout. L'année et compagnie. Là. Jour, mois, année. Année? Ouais. Yes. Moi, j'ai pas vite. On y va? Ouais, c'est clair, je l'ai pas. C'est à cette fête-là qu'on le fête à tous les années. 9 mai, c'est 25 ans, vrai. Je viens d'avoir 30 ans, gros, 92, vous faites plus de jours. Ouais. Hey, vous mettez ouais. Quoi dans le coin? J'ai pas passé mes maths PS, mais c'est le 39 avril. Alexandre c'est et Vicky, vous avez un point. Vu ton ascendant, tu peux nous aider. Hey, c'est bon comme question. Je suis ascendant Lyon. On est tous ascendant Lyon. Allez, c'est parti. Guillaume Sagittaire, Vicky Taureau, On a 2 bonnes réponses. Yeah! Hey, bien. Parce que j'avais fait une marque de scorpion, parce que je savais que c'était un signe astrologique hey, d'attaque. Honnêtement, il était à moitié Sagittaire. Honnêtement, si ça avait été à ta place, quelqu'un m'avait posé ça, si ça avait pas été dans mon range de fight, j'aurais jamais vu. Ben non, c'est tough, là. C'est Sagittaire. Moi, je suis vraiment pas. Mais à moins que tu connais bien l'astrologie, puis. Je connais. Hey, je sais même pas sur nos enfants. On lit la collecte de la. Mais moi, personnellement, je suis vraiment mon ascendant. Je suis pas un taureau. Je suis un lion, comme moi. Je suis verso, mais mon ascendant, c'est lion. Je suis pas. Ah, mais on salue toutes les Sagittaires. Ça, c'est réglé. Ok, troisième question. Prêt? Son premier voyage. Premier voyage, attends, je précise qu'il a pris l'avion, dans le fond. Tu sais, première fois qu'il a pris l'avion, où est-ce qu'il est allé pour prendre l'avion? C'est vrai que je me rends compte qu'on n'a pas assez parlé en 7 ans. Moi j'ai écrit, il s'est fait laisser. C'est ça, là? Il s'est. S'être fait laisser? Ça me fait aller de mort. Moi j'ai dit Floride. C'est pas ça. Il s'est fait laisser. Il a une bonne réponse, République Dominicaine, ouais! Mais c'est celle-là que tu t'es fait laisser. C'est celle-là, oui. Celle-là, son ex. Ah, ok. Bon, ça, c'est Alex, 3 points. Qu'est-ce que je fais? Ok. Next. Ah, maudit, t'es disqualifié. Prochaine question.
Sa boisson alcoolisée préférée. Ok, oh. J'en ai partout, du train dans l'arrière. J'essaie. Oh! It's one of the other. Ah! Attends, faut que Max réponde. Hey, regarde pas ça! Salaud, il répond tout le temps après. Ouais, faut que tu répondes avant. Les quatre jeux de société, il y a Attends une minute, ok? Est-ce que je réponds? Non, tu réponds tout de suite. Attends, est-ce que je réponds at large ou je réponds vraiment spécifique? Spécifique. Avec mon frère. On a joué un jeu avant. Puis mon frère, dans le fond, il donne tout le temps sa réponse comme le lendemain. Fait que là, on est revenu le lendemain. Exactement. Donc, si on y va spécifique... Attends, on a trois réponses différentes juste pour te dire. J'y vais spécifique, la bas de 5 ans. Oh, c'est ta femme qui remporte! Mais quand j'ai vu sa réponse, j'ai eu la chienne, par exemple. Écoute, moi, j'étais quelque chose de classique, du Gauchlager. Non! J'étais vite d'or! Ben, pour vrai, tu peux donner la sienne. Tu donnes le choix, mettons, de prendre du fort un party quand la tequila. Mais mettons ma boisson préférée. La dernière fois qu'on a pris du fort, ça n'a pas payé. Non, mais ça, c'était du gin et on a au monde de la journée. Ça va être. Ouais, vas-y. Ok. Flagger était malade. Vous êtes prêts? Pas du gin, certain. Ouais. Sa dernière partie de hockey était avec quelle équipe? Sa dernière partie de hockey était avec quelle équipe? Je te le montre pas. Ah, je sais. Je sais pas comment l'écrire. Je suis sûr que 300. Faut que tu fasses de fautes, hein. Ah, ben là, j'ai fait des fautes. Je suis désolé. Je suis frigoriste, je sais pas écrire. Alors là, j'ai le temps, dans le fond, pour comprendre la journée au travail. Mon frère va écrire sa réponse d'ici 15 minutes. Il faisait chaud aujourd'hui. Attends, dans les 4 heures. Oh, on a. Excusez, je vous reviens. Je suis prêt. Ok. Donc, la réponse avant que vous tourniez. La réponse était. La réponse avant. Les Spartiates. Yeah! Oh! Les boys 2. En France. Voilà. Là, attends, on fait le récapitulatif. Ici, on a 3 points pour le frère, 4 points pour la femme. 1 point. 0? Non, 1. On échappe avec les beaufs, mais c'est quand même. T'as eu 1 point? T'as eu 1 point au moins. Ça va se rattraper plus tard, on a encore des questions à faire. Ouais, t'as terminé. Ok! C'est une bonne question. À quel âge a-t-il eu sa première relation sexuelle complète? Ça, vous savez que c'est plus une question, moi. Ouais. C'est pas évident. Moi, je sais pas. T'as bien nous, Charles, ouais, elle a pas de gosse, hein? Ouais, mais de ces temps-ci, c'était un peu hors ton, on sentait. Est-ce que tu encore parce que moi, je vois pas? Oui. Il y a un petit point rouge. Mais Maxime, venant de Maxime! Moi je sais, mais c'est il n'y a pas de bon nom. Ok, prochaine question. On est prêts. Son sport préféré à part là. Oh, tu l'as pas. Ok, on va voir. Là, j'ai rien écrit encore. Viens t'asseoir avec papa si tu veux. Je vais y aller pour un point. Facile. Mais t'as enlevé tes points. Ok, bonne idée. Ok. Donc, quoi, Maxime, ta réponse? Ton sport préféré, outre. Excusez, on essaie de passer le Wii Leader. Ah, c'est le baseball. Yeah. Le croquet. Ok,
Qu'est-ce que t'as vu? Un petit 2 points, ça. Hey, je m'en avais marqué goal, parce qu'il y a tant que je rentre pas. Ok. On va acheter des bottes. Il boit de la bière à chaque coup. Son acteur mâle. Ben là. Oh, ben. Bonjour. Dans la vidéo, il est. Attends, c'est ton acteur mort préféré? Ouais. Ouais. J'en ai plusieurs! Arrêtez de parler, vous me déconcentrez! Il y en a vraiment beaucoup. C'est lui qui me ferait convertir, genre changer d'équipe. Non, pour faire le seul gars avec qui on fait un trip à trois. Ah ouais? Ah ouais, mon dieu. Ah ben attends. Je pense pas que c'est lui, mais je vais l'écrire pareil, ça va être drôle. Oh my god, je peux pas croire que j'ai un blanc de mémoire de même. Je vais te battre. Mais il va le dire, tu vas faire. Non, attends, non, t'as rien parlé plus ici. Wow! Il a joué dans les boys. Ben non! Annulé, ça. Ouais, c'est annulé. Ouais. Attends, dis-moi, ça arrive avant. C'est Gérald de Butler. Ah! Merci! Dans mon livre à moi, c'est ça. Eh big, Gérald Butler, mon frère, depuis genre 15 ans, il me crache. Depuis le film. Moi, j'aimerais ça que tu savais. Quoi? Tu peux te concentrer, arrête de dire ça comme ça. Dis ça une fois, mais si tu dis ça deux fois, là, tu vas aller dans le coin et je vais te transformer en petite Léa. Bravo. Je vais te transformer en ma grande dame et je vais te transformer en parrain à côté de toi. Tu vas aller dans le coin. Hein. Et parrain va me mettre dans le coin. Non, elle va se transformer en parrain. Impossible. Et elle va te mettre dans le coin parce qu'elle va être une parrain. Ouais. Parce que c'est une petite vie. Fait que je me concentre pas. Qu'est-ce que ma vie d'aller avec toi? Arrête de parler. Dis ça une fois. Mais si tu dis ça une fois, là, tu vas aller dans le coin. Hey, t'as des cerises sur ton chandail? Ouais. Oui. Ça, c'est une robe de Ok, vous êtes prêts? Ça conclut bien sûr. Ok. Et bien, oui. Couleur de Mr. Freeze préférée. Ça, c'est une bonne question. Et moi, je sais pas. C'est rose. T'en as deux? Non, c'est les couleurs de Mr. Freeze. C'est juste mauvais. Bon, je sais pas que tu vas dire comme moi. J'espère que t'as le cul quand je suis. J'espère. Ok, couleur de Mr. Freeze préférée. Le Max va dire ta réponse avant que les autres donnent la réponse. Ma réponse préférée, c'est le bleu. Oh yeah! Moi aussi, j'ai dit ça. Bleu. Bleu. Moi aussi, bleu. C'est elle la meilleure. Oh, oui, d'ailleurs aussi, ma couleur de la sidoche préférée. Pour elle, les meilleures, c'est le soir. Ouais. Ah, c'est une petite surprise. Mais ça, c'est une surprise. Ouais, c'est vrai, mais c'est des surprises. Ouais, c'est vrai, mais c'est des surprises. Ok. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Marais, pourquoi tu fais la vidéo? Moi, je pose des questions. C'est pas la narratrice. C'est Marais. Ok. Sa célébrité crush. Crush? Sa femme, mettons, qui coucherait avec, mettons? Ouais. J'avais pas vu cette question-là, faut que je pense. Je suis pas mal sûr que tu coucherais avec cette fille-là. Moi aussi. Tout le monde. Honnêtement, je suis pas mal sûr, moi aussi. Je lance mon grand temps. Puis j'en parle pas. Oh, mais j'ai un autre. J'ai deux choix. Tu marques deux choix. Non, mais je sais, c'est qui? Tu dis tant qu'elle est full belle, puis qu'elle vieillit, puis elle vieillit. Exact. Oh, ouais. Ça doit être quand même. Je vais marquer trois, ok? Trois choix. Ouais, vite fait de même, là, à la lumière de ce que j'ai passé, j'ai posé le pour puis le contre. Écoute, j'avais beaucoup de points à vérifier. Je suis venu à la conclusion que j'allais dire. Je pense que j'allais dire Jennifer. Yeah, je l'ai ici! Jennifer Aniston. Ah, hey, t'as pas oui, de trois. C'est ça que t'avais dit? Vas-y. Oui, j'ai mis Maria Lopez de Radio Enfer. Maria Lopez de Radio Enfer. Moi, j'ai dans le temps, tout le monde avait choisi. T'as Lucky? Moi, c'est Denise Bombardier, honnêtement. Denise. Chapeau bas.
suis pas sûre qu'elle écoute mes vidéos. Mais moi, la première, j'ai pensé à la chanteuse, là. Bombardier. Elle chante bien country. Denise Bombardier, c'est comme du Wild Trail. Ça vieillit pas bien avec la Jess Moscalouk. Ah, Jess, c'est ça. Alors ça, j'ai la fille Jessie. I'm Jess. Non, c'est ça. Non. Ça l'écoute, en fait. En dernier, j'avais dit les. Ah, donnez-moi la 50 avec vous. Okay. Moi, je t'adore. Je la dernière. Je t'adore. Denise Bombardier. Ok, next. Ok, dernière question. C'est la dernière et non la moindre. C'est la dernière? Ouais. Moi, je vais gagner, gars. C'est ça, ta préférée. Ça quoi? Le chanteur. Hey, j'ai eu 6 points. Donc quoi? Moi j'ai eu 7, check. Pourquoi j'ai eu 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Moi je dis qu'on révise la vidéo, je trouve que t'as eu 6. J'ai eu 7 points. Moi j'irai en prolongation. Ben, comme c'est la Saint-Jean, là, on pose une question bonus. Là. Oh, mais il pleut. Lui, il est parti. Mais tu sais, on fait une égalité. J'ai un peu. Je suis sûr que c'est la Saint-Jean, on va poser la question que tout le monde se pose. Je vais dire que Maxime. Et pour un Québec libre ou pour un Québec dans le Canada? Conservateur. C'est quoi dans les ventes, Max? Attends, j'ai pas écrit! Non. Vivre dans une galaxie près de chez vous. Effectivement, vu qu'on est à Saint-Jean, la réponse est... Ah, le Canada, ouais! Ouais! Fait que Saint-Jean, tout le monde, qu'est-ce qu'on fête à Saint-Jean? Bon, donc... Déjà, c'est une question politique, là, s'il y en a qui sont politiques et... C'est terminé. Je vais juste vous dire que 20... Putain, combien de temps ensemble? Ouais. Non, plus que ça. Ah, oui. Alors, jusqu'à temps que... Il est parti à quel âge, toi? Non. Il y avait quel âge quand t'étais parti? J'étais avec toi, j'avais... 24. Non, je suis parti en France. J'étais quand même chez mes parents, là. 24. Moi j'avais 21. 21 ans versus 7 ans. T'as gagné, Vic? J'ai gagné 8 points. J'ai mal compté. Bravo, Vicky. Bravo. Yeah! C'est Jennifer qui a fait toute la différence. J'avais dit Marie Lopez. Mais je savais, à chaque fois qu'il y a des annonces d'Alino, Max a trouvé. Fait qu'on vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Puis écrivez-nous en commentaire si vous voulez d'autres vidéos spéciales. Justement, on va vous en tourner un autre qui va être dans quelques jours sur la chaîne. Est-ce que vous avez aimé ça, les boys? Ouais, moi j'en refais un autre. Ok. Never again. Prochain, on va faire une vidéo sur qui connaît mieux mon frère entre moi et Vicky. Ou mettez en commentaire les vidéos que vous voulez voir.